Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Quest XI, les combattants de la destinée, pour voir retrouver 13 objets, enfin recettes d'objets, les haches de roi, les habits de roi, les robes de reine, les bagues purifiantes de lune et de sorcier, les pierres de sorcier et 5 anneaux, les anneaux d'immunité, de vérité, d'attachement, d'énergie et de lucidité. Je crois que j'ai jamais fait autant d'objets dans une seule vidéo. Et pour ça, on va aller se rendre au château d'Héliodore, niveau inférieur. Donc, c'est un donjon qu'on débloque quand les forces du mal ont envahi le monde. Et que vous retrouvez à deux avec. J'ai oublié son nom, avec lui là, avec le chevalier. Quand vous débloquez ce donjon, quand Héliodore est envahi, là vous voyez qu'on vous y rend, c'est à Héliodore, hein, tout simplement, au château d'Héliodore. Et c'est dans le niveau inférieur du donjon. Vous avez juste à progresser dans le donjon jusqu'à atteindre cet étage. Et nous, on est ici. N'hésitez pas à faire pause. Alors, en vrai, ça fait 10 minutes que je parle avec la carte à gauche de ma tête. Hop, suivez bien mon personnage, hein. Vous avez la minimap en bas à gauche. Suivez bêtement la minimap, hein. Et là, souvenez-vous, dans la cuisine, quand vous interagissez avec l'armoire, vous lancez une cinématique. Alors après, si vous y retournez une fois après avoir fini le donjon, vous aurez pas les cinématiques, hein. Et du coup, là, vous atteindrez les appartements du roi. Et ça va être dans l'armoire juste à ma gauche. Donc je vais remarquer dans 5 secondes. N'hésitez pas à tout fouiller, hein, les armoires et tout. Et le livre est là, c'est le livre de gauche. Le livre de droite, y a rien. Et j'apprends à fabriquer les haches de roi, les habits de roi et les robes de reine. Et pour les 10 recettes suivantes, c'est dans la pièce en face. Les appartements de la reine. Donc là, vous avez un livre où il n'y a rien. Et à droite, le Saint Graal, un coffre rouge avec plein de recettes. Livre de recettes intitulé Cache de survie. On apprend à fabriquer les anneaux d'enchantement, les bagues purifiantes, les anneaux d'immunité, de vérité, de lune, d'énergie, de lucidité, de sorcier et pierre de sorcier. Je dois parler très vite parce que le dialogue. Le dialogue va très vite. Donc voilà. Et bien écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner ou à me soutenir sur Tipeee, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!